Alors, je vous explique. Il n'y a pas longtemps, j'étais il y a une dizaine d'années sur l'autoroute. Je commençais à conduire. Oui, une dizaine d'années, j'étais sur l'autoroute et j'avais envie de faire pipi. Donc je me suis arrêté sur le bord de la côté, je commençais à faire mon pipi. Et là, je vois à côté un petit lutin sur une branche. C'est la vérité. Hein. Je serais prêt à le jurer. Et il était sur la branche et il faisait lui aussi pipi. Sur sa branche, comme ça. Alors on commence à discuter parce que ça faisait un moment que ça faisait une grosse ennuye. Et là, je lui dis, oh petit lutin, comment tu vas? Il m'a dit, oui, ça va. Et il était seul. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pris. Et je l'ai mis là. Et après, on est reparti en voiture. On commence à discuter parce qu'il était seul, j'étais seul. On a discuté. Et là, j'ai dit, ça te dirait de faire un petit tour de magie avec moi? Il m'a dit oui. Et on a monté un numéro. Et depuis, on a fait le tour du monde avec. Je pose là, comme ça, vous voyez. Ah oui, voilà. Très bien. Tu le vois, il est là. Voilà, faut pas qu'il tombe. Et après, je le mets dans le capuchon, comme ça. Et maintenant, ça c'était pour pas le perdre. Donc il y a un passage secret où il peut sortir du capuchon. Et là, on a monté un numéro, je peux vous le montrer. Alors, moi je me mets loin, et lui, il va sortir délicatement du capuchon, il va se monter dessus le capuchon noir, et il va marcher tout doucement jusqu'au bout du stylo. Comme ça, il avance, tout doucement. Il se met carrément au bout, il se prépare, alors, il va doucement pour pas tomber, hein, ni à droite ni à gauche, et il se prépare, et arrivé à un moment, il va mettre un coup de fesse sur le bout du stylo, le stylo va essayer de tomber. Ça dépend, s'il est pas assez lourd, il n'y arrive pas, mais là, il a pris du poids. Alors voilà, il avance, il se met au bout, hop, il commence à poser ses fesses dessus, et vous allez voir un petit peu le stylo commencer à bouger, parce qu'il commence à être au bout du stylo. Et il commence à descendre ses jambes, donc il appuie avec les jambes, donc ça tombe. C'est fort quand même. Donc pour récupérer toujours... Le lutin, faut pas qu'il tombe, hein, pour pas le perdre. Et après, je remets dans la poche et on est reparti pour un tour. Et on a fait le tour du monde avec ça. On ne croit pas, Ariane, si je vous le dis. Toi aussi, tu ne me crois pas depuis tout à l'heure? Non, mais dis-moi là. Ça fait quoi? 4 fois que je te le fais. Alors, je te parlais du petit lutin. On est plus vite, on peut. Alors, il se met dessus, il monte, il avance, il se met carrément au bout, et avec les fesses, il tape, et ça tombe. Allez, pas aller vite, hein, c'est comme vous voulez.